Et voilà les amis, ça y est, on y est, c'est le jour 1 du défi. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts pour quelques minutes en ma compagnie? Allez, on y va, c'est parti. Donc, j'ai dit qu'on commençait par la planche. Donc, on va se mettre en position horizontale. On va crocheter ses mains. Hop, et mettre les coudes bien alignés. Et on va faire une planche de 30 secondes pour le premier jour. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouh, yes! C'est bon. Allez, on continue. On va faire un petit... on va se détendre 2 minutes. Dans la posture de l'enfant, tendez bien les bras vers l'avant et relâchez le front. On relâche bien son front sur le tapis. Ok. Allez, on continue. On continue. On va mettre ses mains bien écartées. Les deux index sont parallèles. Les jambes sont écartées, largeur du bassin. Et on va se faire un petit chat. Le petit chacha. Donc, essayez de mettre les coudes correctement et j'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je rentre, on rentre. Allez, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Tirez bien le dos vers le haut. Inspirez. Expirez. Ok, allez, encore 2. Et un dernier. Ok, est-ce que ça va toujours? Ok, allez, on va passer dans le chien tête en bas. Donc, je crochète mes pieds et je monte dans la posture du chien tête en bas. Ok. Allez, détendez bien les épaules, relâchez-les. Hop là. Et je plie un côté et je plie l'autre. Et je plie une jambe. Et je plie l'autre. Allez. On vient chercher de la mobilité dans les hanches. Donc faites tourner les hanches en même temps. On y va. Allez, on tourne ses hanches. Ressentez comme ça fait du bien quand même de se sentir. Allez, go. Oui, yes. Ah oui. Allez, bon, un petit côté, l'autre côté, et on repose les genoux. Ok. Et je pose mon front sur le sol, je tire sur mes bras vers l'avant. Et je relâche. Allez, on va faire encore une petite posture pour étirer un peu les nerfs sciatiques. Donc, on vient mettre sa jambe vers l'avant et on tire l'autre vers l'arrière. Ok? Voilà. Et je dépose ma jambe vers l'arrière. Et j'essaye de bien aligner ma jambe quand même à l'arrière. Et puis, doucement, avec mes bras, je vais descendre. Alors, vous allez jusqu'où vous pouvez. Hein. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, vous restez ici. Si vous pouvez descendre un peu, vous descendez. Si vous pouvez encore aller plus loin, vous allez plus loin. Et vous vous détendez quelques instants. Dans cette posture. Et là, connectez-vous à votre respiration en faisant cette posture pour vraiment détendre le corps et détendre le mental. Donc, on prend le temps de se relâcher. On se relâche quelques instants. Et puis, on se redresse.
On pivote l'autre pied et on tire sur notre jambe pour qu'elle aille vers l'arrière. Ok, voilà. Je vérifie toujours à ce que mon corps soit aligné quand même, hein, c'est important. Et puis quand je suis dans la posture bien installée, hop, je descends tranquillement. Et je pose mon front sur le sol, si je peux, si je ne peux pas. Munissez-vous aussi d'un coussin ou de ce que vous avez autour de vous si vous n'arrivez pas à aller jusqu'en bas. Surtout, écoutez votre corps, c'est très important. Même si on est en train de faire un défi, même si on est en train de faire des exercices, il faut quand même prendre soin de soi et de ses muscles, de son propre corps. On va relâcher. Et puis tranquillement relever. Hop, voilà. En posture du tailleur. Voilà. Quelques instants. Fermez les yeux pour mieux assimiler. Et respirez. Respirez longuement par le nez. Et à l'inspire, vous allez simplement dire, je ne suis pas le corps. Et à l'expire, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Et vous dites la phrase tout le long de l'inspiration et tout le long de l'expiration. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Et puis, tranquillement, ouvrez les yeux. Et voilà, je vous remercie pour ce premier jour du défi. On se dit à demain. La copine. À demain. Et puis, portez-vous bien et dormez bien.